Hello, hello, amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous allons tout de suite voir vos énergies sentimentales pour les 15 premiers jours du mois d'août. C'est parti! N'oubliez pas que ce tirage est un tirage complémentaire au tirage que j'ai réalisé il y a une semaine sur le mois d'août. Hein, c'est vraiment pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair sur les 15 premiers jours. Ok, super. Les amis, on a avec ce cavalier de coupe le fait d'avoir un message qui vient vers vous, un message amoureux peut-être, ou vous-même qui allez porter un message, hein, on va voir un petit peu plus en détail évidemment. Ah, ok, on a le 7 de bâton. Alors avec ce 7 de bâton, on voit quand même que vous pourriez être un peu stoppé net dans vos élans. On voit qu'il y a quand même une difficulté, peut-être un conflit intérieur, ou un conflit vis-à-vis d'autres personnes. Hein. Mais en tout cas, on voit bien là que vous... Voilà, c'est pas simple là. Bon, on va regarder plus en détail, hein, les amis, avec un petit peu plus de cartes. S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Sagittaires. Hop là. Alors, elle est tombée à l'envers, la reine d'épée. Hein, donc, je vous la montre quand même. Donc, c'est la reine d'épée et le 3 de coupe. Donc, avec cette reine d'épée qui est tombée à l'envers... Je vais vous approcher un petit peu ça quand même. Voilà. Avec la reine d'épée qui est tombée à l'envers, on voit que quand même, il y a comme un manque de franchise, de vérité. C'est comme si plutôt que d'aller vers de l'avant, vous alliez un peu en arrière. Comment vous dire? Vous regardez les blocages, vous regardez le passé, vous n'avancez pas au rythme que vous voudriez, vous ne trouvez peut-être pas la solution pour vous sortir de ce... De ce blocage-là, de cette bagarre intérieure ou avec d'autres personnes. Et du coup, finalement, c'est comme si, à la place d'essayer de trouver des solutions, bon, ben là, vous décidez de faire la fête. Donc, c'est un peu, vous savez, la politique de l'autruche. Hein, on met la tête dans le sable, comme ça, on est sûr de ne pas avoir des problèmes. Et du coup, alors évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas... vous décidez de faire comme si de rien n'était, vous allez voir vos amis, vous profitez, et puis vous essayez de mettre tout ça de côté. Hein. Ok. Ah oui, mais du coup, voilà. Ah, d'accord. Du coup, bon, on parle encore de communication. Il y a quand même deux cartes liées à la communication là que vous avez. Donc, il pourrait quand même y avoir une communication qui arrive. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec ce que vous... Cette politique de l'autruche là qu'on a vue juste avant, on a quand même des blocages. C'est-à-dire que vous n'avancez pas comme vous voudriez, vous n'avancez pas aussi vite. Et de même, avec cette impératrice à l'envers là, vous n'arrivez pas à avoir les projets que vous voulez. On sent que vous avez des projets là qui ne demandent qu'à éclore. On sent que vous avez vraiment envie d'avancer, mais vous n'y arrivez pas quoi. Là, c'est un peu bloqué au mois d'août, enfin au mois d'août, début août. Hein. N'oubliez pas d'aller voir le tirage que je ferai là dans quelques temps pour la deuxième semaine du mois d'août. On verra si les énergies se débloquent. Mais en tout cas, là, première quinzaine du mois d'août, là, c'est pas le moment de développement personnel. C'est pas le moment d'avancer, quoi. Pourtant, il va y avoir une communication. Mais bon, peut-être que celle-ci, ça va vous... stopper net dans vos... Il y avait déjà ce stopper net là, hein, qui était là. Ça va peut-être vous refroidir dans vos ardeurs, j'ai envie de vous dire. Ok. Alors, pour le cavalier des coupes, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On va prendre les deux. Ah oui, bah regardez. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un choix amoureux, là. Hein. Il y a peut-être, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a peut-être une triangulaire, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un manque d'équilibre. Il y a une hésitation entre deux situations. Voilà, c'est ça. C'est en gros, c'est j'y vais ou j'y vais pas, hein. Là, vous ne savez pas trop quel chemin prendre. Vous avez probablement des sentiments pour quelqu'un, mais est-ce que vous devez y aller, quoi? Et pour les célibataires, là, qui n'ont personne dans le cœur, bah vous hésitez carrément à aller vers l'amour, quoi. Hein. Vous commencez à vous demander si c'est quelque chose de vraiment fait pour vous. Vous avez le sentiment qu'il y a eu plein d'obstacles jusqu'à présent et que, bah, finalement,
vous vous sentez pas vraiment guidé, quoi. Vous avez envie d'y aller, mais vous hésitez. Ok, alors, pour le 7, oups, bah, elle est sortie vite celle-là. Mais vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, les amis. Alors là, on est vraiment sur comment je suis généreux avec moi-même, comment j'écoute mon enfant intérieur. Et en fait, vous êtes bloqué, quoi. En fait, c'est le stop que vous avez mis, c'est à votre petite voix intérieure. Hein. C'est à votre instinct, quoi. C'est à votre intuition. Vous n'allez, c'est pas passé. C'est pour ça que vous ne savez pas quoi faire et que finalement, vous faites bon, ok. Moi, je vais passer à autre chose, là. Je vais penser à autre chose. Ok, les amis. Il faut que vous écoutiez ce que vous ressentez vraiment. Ah là là. Pourtant, on vous parle quand même d'engagement, de nouveaux départs plus abondants, de vous sentir plus libre. Mais pour ça, les amis, j'ai envie de vous dire, il va falloir prendre des décisions. Hein. Il va falloir arrêter de mettre la tête dans le sable, comme je disais tout à l'heure. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, évidemment. Je pense que là, il ne tient qu'à vous, les amis, de mettre les choses sur la table, de dire les choses, de dire vraiment ce que vous voulez, parce que on voit bien que vous, vous avez envie de sérieux, vous avez envie de joie, de légèreté, de nouveau départ, tout ça, tout ça. Que vous soyez d'ailleurs en célibataire ou en lien. Pour ceux qui sont en lien, le fait de ne pas dire les vérités, bon, bah forcément, hein. Ça retarde hein, les choses. Alors c'est sûr, hein, vous allez faire la fête, ça va être sympa, vous allez vous sentir léger, mais par contre, ça sera peut-être plus compliqué de prendre un nouveau départ. En tout cas, pour ceux qui sont en lien avec la personne que vous aimez. Hein. Après, vous allez peut-être prendre un nouveau départ, peut-être que le fait de faire la fête, etc., ça va vous faire rencontrer des nouvelles personnes, et peut-être que là, vous allez avoir un nouveau départ, ça c'est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait plusieurs, que vous soyez célibataire ou en lien, il y ait plusieurs personnes qui tournent autour de vous, là, hein, pour tenter de vous séduire. Ça, c'est pas impossible, les amis, pour certains d'entre vous. Pour les célibataires, eh bien, effectivement, il va falloir... être honnête avec vous-même, de savoir vraiment ce que vous voulez, quoi. Cette petite voix intérieure que vous n'écoutez pas vous empêche vraiment probablement d'aller vers ce que vous avez au fond de vous, hein, vos désirs profonds. Hein. Mais vous aussi, hein, vraiment clairement, vous pourriez rencontrer du monde là, au mois d'août. Hein. Alors, sur le 8 de bâton, le chariot et l'impératrice à l'envers. Ok, bon bah écoutez. Ok, hein. On a le 9 d'épée et on a la roue de la fortune. Donc, avec ces deux cartes-là, les amis, normal que certains d'entre vous soyez dans une énergie comme ça, un petit peu, où vous prenez la tête, vous êtes triste, ça vous empêche de dormir, même pour certains, parce que vous ne travaillez pas sur votre développement personnel. En fait, vous êtes peut-être focus sur la situation, dans votre tête, même si face au monde, vous ne le montrez pas forcément, mais le fait de ne pas écouter votre guidance intérieure, de ne pas travailler sur votre développement personnel, ou en tout cas, il manque des petites choses encore, hein, peut-être que vous avez commencé, mais vous êtes peut-être ou stoppé ou n'êtes pas allé jusqu'au bout, tout du moins pour le moment, ben voilà, vous n'êtes pas encore complètement guéri de tout ça, de vos peines là, et pourtant, pour pouvoir tourner la roue du destin, pour pouvoir avoir un meilleur équilibre amoureux, pour pouvoir avoir plus d'abondance, plus de bonheur, évidemment, il va falloir passer par ce travail personnel, hein, les amis. Ok, alors... Une dernière ligne de carte, parce qu'on ne va pas en rester là, évidemment, les amis. Alors, sur le cavalier de coupe, le 2 de denier et les amoureux. Ok, alors, on a l'évolution, le carrefour et le compromis. Donc, on nous dit quoi, là, les amis? On nous dit que... Pour pouvoir aller vers l'évolution que vous espérez là, pour pouvoir aller vers le bonheur, pour pouvoir aller vers un amour sain, pardon, un amour sain qui soit vraiment, qui vous mène vers une réussite, un épanouissement, bon ben là, il y a une décision qui va devoir être prise. Hein. Là, vous êtes à un carrefour, les amis. Hein. Vous êtes à un carrefour, vous pouvez aller ou pas vers votre autre, etc. Mais ce qu'il va falloir d'abord... C'est écouter votre guidance intérieure, écouter votre petite voix, cette petite voix qui vous donne
les réponses, mais est-ce que vous avez envie de les entendre? En tout cas, ce qui est certain, c'est que certains d'entre vous, avec la carte là du compromis, vous allez pouvoir quand même échanger. On a vu qu'il y avait quand même de la communication. Et peut-être trouver une solution, quelque chose qui vous donne à chacun un équilibre qui en fait permet que tout le monde y trouve un petit peu son compte, hein. Donc ça, c'est tout à fait probable, les amis. Mais là, d'abord, il va falloir vous écouter vous-même. Avant même de trouver un compromis, hein, comme on le voit ici, avec votre autre, hein, pour ceux qui sont en lien, il va falloir déjà peut-être le trouver à l'intérieur de vous. Idem, hein, amis célibataires, ce compromis-là, c'est clairement quel choix vous prenez pour votre vie, quelle est la décision que vous vous prenez, quel accord, parce que vous avez écouté votre guidance intérieure, vous avez avec vous-même pour pouvoir prendre le meilleur chemin, hein, le meilleur destin. Ok les amis, allez, une petite dernière carte. Eh bien écoutez, hop là, il y en aura deux. Ok, alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez vraiment envie de pouvoir vous réunir avec votre autre, hein, pour certains d'entre vous. Vous avez envie de projet, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez même envie de bébé, vous avez envie de construire une vie de famille avec la personne que vous aimez. En tout cas, il va falloir communiquer, on le voyait ici déjà, hein, que la communication était fondamentale avec le 8 de bâton. Il va falloir communiquer avec votre autre pour ceux qui sont en lien. Et pour ceux qui sont célibataires, il va falloir évidemment, peut-être, si vous voulez rencontrer des gens, ben, aller faire de nouvelles rencontres, échanger. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais vont se lancer sur les réseaux sociaux ou sont déjà sur les réseaux sociaux et vous pourriez communiquer vraiment avec plusieurs personnes, hein, et ça pourrait vraiment être sympa, ces communications. Vous pourriez envisager même pour certains de faire un projet, mais il va falloir quand même, avant vous libérer, hein, de ces énergies-là, il va falloir quand même avant tourner la roue de la fortune et pour ça, vous vous souvenez, il va falloir identifier ce que vous voulez vraiment, ce qui vous nourrit. Hein. Donc voilà les amis. Ok, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir.